Améliorez votre expérience sur Internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur Internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. C'est un vrai plaisir de vous retrouver sous ce beau soleil. On se croirait presque en plein cœur de l'été, mais nous sommes au tout début de cette année 2024 pour la reprise des compétitions. Et vous le savez, traditionnellement, le premier match de l'année est un match de Coupe de France pour le MHSC. Entrée en lice des clubs de Ligue 1 en 32e de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort nous a réservé cette équipe picarde d'Amiens, pensionnaire de Ligue 2, actuellement 12e. Et ce n'est pas la première fois de l'histoire d'ailleurs que ces deux formations s'opposent à en 32e de finale, déjà il y a 21 ans, je vous passe le résultat, vous avez compris de vous-même. Alors, nous repartons donc au stade de la Licorne pour ce match de coupe face à une équipe d'Amiens qui, d'ailleurs, comme toutes ou quasiment toutes les formations de Ligue 2, compte l'insérant des joueurs quand même assez aguerris pour assurer ce qui est l'objectif initial des Picards, le maintien. Je pense notamment à Sébastien Corchia, le défenseur qui porta le maillot nantais, l'attaquant anglais Andy Carroll, l'ancien attaquant de Liverpool, et puis un jeune du centre de formation de Montpellier qui est dans les rangs de l'équipe amiennoise, Kylian Kéboué, que nous aurons le plaisir de retrouver à l'occasion de ce match de Coupe de France. Voilà, ce match contre Amiens va donc donner l'occasion à Michel Derzakarian de se conforter dans les propos qu'il a déjà tenus sur la Coupe. Parce que, on le dit tous les ans, je vais vous le répéter, la Coupe de France est un accélérateur de progrès, un stimulant nécessaire pour la deuxième moitié de saison. Et pourquoi le cacher ? Un objectif qui n'est peut-être pas prioritaire au sens premier du terme, en tout cas non négligeable. Derzak souhaite vraiment que nous fassions, comme on dit, un coup en Coupe de France cette année. Et ça démarre donc ce samedi à 18h au stade de la Licorne. C'est le rendez-vous que je vous donne pour vivre ensemble l'entrée en lice du MHSC en Coupe de France. À samedi.